Bonjour à tous, on est de retour sur Legend of Keepers. Et on avait testé la dernière fois la version de l'alpha, la 8 point, la 0.8.0.1. Et là, il y a la 0.8.1 tout court qui est sortie. Donc, on va tester. J'ai pas regardé ce qu'il y avait de nouveau, mais bon. On va essayer de le découvrir. Que les années sont toujours limitées à un an, mais à deux ans d'activité, mais on va bien voir. Par contre, on va commencer par l'enchanteresse, parce que l'enchanteresse c'est la seule. On n'a pas réussi à le finir, on a fini avec l'esclavagiste. Les oreilles, ce con. 2 points de talent. 2 traits au monstre de départ. Ah, on peut avoir la fin là. Tuer un héros avec un maître applique résistance à un groupe de monstres. Attaques de monstres de maître appliquant des dégâts, des effets de dégâts sur la durée. Un cumul d'effets supplémentaires. Alors, attaque au milieu pour avoir ça. Parti. Du coup, on continue en partie classée. Et voyons voir ce que ça donne. Ils ont rajouté sa voix. Normalement, de près ce que j'ai vu, vite fait, ils ont rajouté des événements, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'en avoir. Alors, nos monstres. On les renomme, hein, comme d'hab. Carl, j'ai eu Jean-Carl. Ah, les noms composés. Michel, du coup. Jean. Hop là. Michonne. Et Jean-Cédric. Là. Donc, là on a deux temps.
va faire comme ça. On va partir comme ça. C'est parti. Oh, 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 oh. La nature, pas trop, et lui, pas trop. Pas du tout la glace, il craint pas du tout la glace, il craint pas du tout la glace. Donc. Ah, du coup, ils craignent pas la glace, c'est chiant. Alors, à l'avant, dégâts d'air. À l'avant, dégâts de glace. Et sur tout le monde, dégâts de glace. Air et glace. Air, il craint un peu. Il craint pas trop l'air, donc hop là. On va le faire tanker. Craint pas la glace. Là, lui, 0 air et glace. Jean-Stéphane. Jean-Stéphane. C'est parti. On va quand même mettre le riz glace, parce que j'ai rien d'autre. La glace et pas trop l'air. Elle craint pas trop la glace. Elle craint pas trop la glace ni l'air. Voilà. Alors, à quel point ils prennent des dégâts, je sais pas. Souffle glacial. Dégâts sur tous. Gros dégâts derrière. Enfin, les dégâts sur tous. Ça sera bien mieux. Ah, il met la carapace. Des dégâts sur tous. Tous les dots qui sont intéressants. La mort, voilà, là c'est la mort aussi. Ça va dans l'encaisse. Est-ce qu'on peut tuer celui devant? On le tuera pas, mais peut-être avec les dots ça le tuera. Le dot le tue, on est bien. Avoir de mal à me tuer normalement. Voilà. Once magique. C'est avec la graine enchantée, vu que j'ai joué avec la graine enchantée la dernière fois.
Éclair. Il se transforme, normal. Moins. Voilà, on les a battus. Alors, qu'est-ce que on va prendre? Bourse magique, le gain en or, ça j'adore. Les créatures orques ont 20% de chance de gagner enragé 3 quand elles sont attaquées. Et les démons gagnent plus 10 de puissance. Donc on va prendre la bourse magique. La bourse magique. Car la bourse magique, ça rapporte un maximum. Rapporte un maximum, un maximum. Merci beaucoup pour ton abonnement. Jamzam 33. Et bah coucou et à plus, oui. Je t'ai fait que passer. C'est comme ça. Du coup, j'en étais où moi? Du coup, soit on prend ingénieur pour changer un piège qui me plaît pas, soit je prends entraînement pour monter mes persos. J'ai 400 balles. On va prioriser les persos d'abord. Intéressant. Alors, quel je monte? Les tanks en priorité. Deux cents balles, on va monter les arbres. Pas les arbres. Voilà. J'ai rien pour le fitness, donc on a événement. Ah, vous avez parié à la course au sanglier pendant la pause déjeuner. Celui que vous avez choisi a terminé en tête et vous a fait remporter la mise. Bah, tant mieux. Merci beaucoup. Formation. Ah. Recevez une lettre de Monster Training Center vous proposant de former l'un de vos employés pour une somme d'or assez importante. La formation prendrait 8 semaines plus 2 niveaux. Donc on va payer. Et on se tape des aventuriers. À nouveau les aventuriers. Alors, il craint le poison toujours. Ah, c'est le même groupe.
Alors pareil, on attaque pas le poison. Devant, devant et arrière dégâts physiques. Jean Stéphane. On se met le même groupe, hein. C'est un peu abusif, mais tant pis. Ou là non plus, on va pas changer, on va mettre Jean-Pierre, Michel et Jean-Noël. Alors. Un petit peu de poison sur tout le monde. Continue avec ça pour les ralentir. Non, il prend plus cher encore. On n'est pas trop mal. Adieu, petit bonhomme. Voilà. De la faiblesse à la nature, mais pas ça. Ils ont des dots sur la gueule. Bam, il est mort. Bam, il est mort. C'est triste, c'est triste. Aïe. Et on le tue. Ah, le deuxième groupe, ça va. Ah, nuage de poison, pourquoi pas. Comme ça, j'ai double nuage de poison. On met sur des groupes qui craignaient nuage de poison, donc voilà. On pourra faire l'entraîneur. Changer d'ordre. Ah. Résiste à la glace. Elle a un peu plus, un poil plus de points de vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, autre entraînement. On peut pas psychologue. On peut pas rajouter de thunes, mais hop là, remercier comme ça.
nos types remontent. On a percepteur, on peut pas, parce qu'on n'a pas les thunes. On a ni les thunes, ni le truc. On va prendre le percepteur quand même. Et on va faire accepter. Ça, ils nous pompent notre sang directement. Ah non, ils peuvent payer. Ah, je peux payer. D'accord. Pique mon sang, ça c'est parfait. On a à nouveau le psychologue qui peut être très bien pour notre petit groupe qui est un peu mal en point. D'où le psychologue, on a eu du bol. Alors on est parti sur les vétérans. Prenons des risques un peu. Non, c'est pas drôle. Non, je vois pas trop ce qu'ils ont mis à jour. Ils ont changé l'affichage des trucs, j'ai l'impression. Capacité, air devant, feu devant, et glace partout. Il craint le feu, lui. Elle ne craint pas le feu. Elle craint pas l'air, mais elle craint un peu la glace. Un peu la glace aussi, mais bon, voilà. Un pas la glace, mais elle craint les deux, le feu et... Bon, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Ils craignent tous le poison, donc c'est parfait pour moi. Le feu, donc à pas être très très concluant cette histoire, hormis le poison, parce que j'aime le poison. Ah, l'infection, ça peut être marrant. C'est qu'au prochain tour, un petit coup franc, crac. Adieu la succube. Kimenen. Et la mort. Et voilà, on est mort. Le fleuve a plu. Une qui va crever. Et voilà, un petit serment. Est-ce que l'homme sanglier, je prends? Je pense que oui. Il a de bonnes résistances à l'air et à la glace. Problème avec le feu, mais... Il manquerait un monstre, donc...
prendre l'homme sanglier. On va dans les monstres. Et on va le nommer. Ouais, je suis pas convaincu. Je sais plus comment s'écrit Georges. Ah, si je l'écris correctement. Je sais pas, j'ai des petits soucis en ce moment. J'arrive pas trop à savoir comment écrire les trucs. C'est bon. Est-ce que on le met là? Mettre en deuxième partie de soirée pour l'instant. Ness, je peux pas, marchand. Faut bien acheter. Nature et morale, rien acheté. Événement. Potion d'évolution. Un employé a trouvé une fiole étrange dans un placard. Balai et l'a bu d'un seul trait. Ne vous attendez pas à ce que son intelligence augmente, car il a l'air d'avoir gagné en masse musculaire. Très bien. Marché noir, j'ai personne à vendre. Événement encore. Ah, la neuvième porte. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais vu. Goltor réclame du sang. Étancher sa soif et il enverra dans le monde des mortels l'un de ses plus atroces avatars. Invoque un monstre aléatoire de type démon. On va choisir le rituel. Un déplacement ou pillage? On va prendre pillage. Ah d'accord, c'est ça qu'il a invoqué. Il a invoqué un satyre. D'ailleurs, le satyre, comment on peut l'appeler? Jean Samuel. Alors, potentiellement, on touche de l'argent et un artefact. Là, on touche que de l'argent, mais le risque est plus grand. Argent et délivrer un monstre. On va prendre celui-là. Et le satyre se retrouve bloqué, mais bon, à la base, je l'avais pas. C'est reparti pour les aventuriers. On a eu des vétérans tout à l'heure, donc l'aventurier, ça devrait être, ça devrait passer crème, comme on dit. Écran de poison, écran de poison, écran de poison. Dégâts physiques. Dégâts d'air. Dégâts de feu devant. Il n'a pas trop l'air, mais il craint le feu. Il craint les dégâts physiques. Il craint pas trop les dégâts. Ah, lui, il est bien. Hop là, on est parti. Salut, Jitzer. Ça va?
Du coup, ouais, on va remettre le poison, hein, vu qu'on en a deux. Poison. Alors, lui, il craint le feu, il craint pas l'air, il craint pas trop les dégâts physiques. Pas mal. Elle, le feu, les dégâts physiques, c'est pas trop sa tâche de thé. Jean-Sébastien, hop, on va le mettre en fond. Voilà. Ta-ta-ta-ta-ta. Ouais. Ils sont enragés. Ouais, ils craignent bien le feu quand même. Donc eux, ils craignent pas trop le feu, le poison. On va plus mettre le poison. Parce que s'ils gardent le dot, après il y a la... Il y a le piège qui va les finir. Tac. Oh, dégâts de zone. Tac. Avec saignement. Tous les dots qui s'enclenchent. Ils résistent. Bon là... Il va mourir. Pour injection ou je fais ça? Ah, ça va rebondir sur tous. Ça reste à appliquer du poison, c'est pas mal. Yo, Flyzu, ça va? Aïe! On a eu plusieurs morts. C'est la misère. Du coup. Enfin, moi, ça va très bien. Très très bien. Attends. Je continue mes dégâts sur tout le monde. J'ai bien envie de continuer mes dégâts sur tout le monde. Il est très résistant, lui, ça va, vu qu'il est niveau 3. Ah, ça risque d'être dur, hein, niveau 54 LBRS. Peut-être pas dur au niveau du tanking, mais sans doute très difficile au niveau des aggros, hein, parce que... LBRS, tu peux passer dans pas mal d'endroits en évitant les mobs. Là, tu vas être obligé de faire deux fois plus de packs qu'ailleurs. Ah, je la tue même pas avec la boule de magma. On va continuer de mettre le dot, hein. Même si on est mort au prochain tour. C'est pas bien grave. Ah ouais. Après LBRS, ouais. C'est pas le niveau LBRS là, 54, c'est pas. Après, si t'arrives à le passer, tu risques de prendre pas mal de niveaux. Mais... du coup, on prend la thune. Faut que je focus un peu plus la thune, parce que j'ai des petits problèmes d'argent. Michonne, elle est dans le mal. Alors, en échange, Michonne et Mikaela. Rester là. Lui commence à être dans le mal. Du coup, on va l'échanger pour Gorge. Ok, on est pas trop mal. Entraîneur. Qui c'est que je vais entraîner? Ah, lui, ça serait bien qu'il passe au niveau 2. Mon deuxième pouvoir est super pété. Est-ce qu'ils l'ont modifié? Ouais, ça c'est pas mal. Bah après, ça changera pas grand-chose que tu sois 55, mais... mais disons que... si ça peut arriver en plein milieu d'un combat, tu seras full vie.
Tac, là, on va entraîner lui aussi, parce que c'est un tank aussi. Après, passer au niveau 3, lui, niveau 3, il serait pas mal. Oh, ça c'est trop pété. Bien fait de le passer au niveau 3. Lui. Donc on a plus de thunes. Les percepteurs, ça c'est bien. Ces vampires en costume cravate sont là pour prélever les taxes. Cependant, le sang vaut plus à leurs yeux que quelques pièces d'or. Ils vous accorderaient même une compensation pécuniaire en échange d'un prélèvement sanguin et vous seriez exceptionnellement exempté de taxes. On va payer avec du sang. On a l'événement derrière. En vous promenant dans les couloirs, vous apercevez un monstre qui attend un entretien d'embauche. Vous pourriez l'embaucher sans intermédiaire. J'ai les thunes, on va l'embaucher. C'est un élémentaire de terre en plus. Jean Hubert, on va l'appeler. Jean Hubert. Hop là, on échange avec elle, de Jean-Sébastien. Elle. Il y a beaucoup trop de tanks derrière. Hein, on remarque que j'ai pas mal de tanks devant aussi. Ouais, donc on va laisser comme ça. On prend les vétérans, plus de gains de récompense. Du poison. Alors, dégâts physiques devant, dégâts d'air derrière et dégâts de feu devant. Lui, je crois qu'il tanque, ah, il tanque pas si bien ça que le feu. Lui tanque bien l'air et le feu. Lui tanque bien l'air, donc on va le mettre derrière. Et elle tanque bien le feu, pas trop les dégâts physiques, mais on peut la mettre là. Ne devrait pas être mal. J'ai même pas regardé le poison, mais bon, je vu que je mets toujours poison. On va partir en full poison. Tout, 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 tout. Alors. Dégâts physiques, feu. Mais R c'est derrière donc. Bon, on va te tester là. Toi tu résistes à l'air. Toi qui résiste à l'air. 2. Un peu le feu. Lui craint le feu. Lui craint le feu. Lui craint moins le feu que les autres. A eu trois gros bourrins pour la deuxième ligne. Pour arriver là et être dans le mal. Hello Dark, how are you? Yes, exactly that. Yes, I have a new update on the alpha. I just testing. Du coup.
Yes, allez. Voilà. Easton, two times my monster. Ah, it's ok. Not stun this turn. My power more interesting. Tambour goblin. Je l'ai pas testé celui-là, mais bon. Bon, vite, je suis pas fan. Donc, on va augmenter la puissance de mon héros. Elle est revenue dans la course du coup. Mettre là pour l'instant et après on verra si j'ai pas d'événements qui me remontent. Bon, je laisse, je continue. Ok, bah, bon LBRS alors. Essaye de pas de pas mourir. Tu vas vraiment galérer. 54, c'est vraiment bas. Tac tac. Alors, qu'avons-nous là? Tac tac. Cage up. J'ai envie de up mais ça. Mes succubes parce qu'elles sont trop pétées. On up qu'une à la fois. Pillage. Entraînement. Pillage ou séminaire? Séminaire. Le problème c'est que séminaire, j'ai pas de thune, j'ai rien. Pillage, ça me permettrait de récolter un peu plus. J'aurais remonté. Pourcent de délivrer un monstre. Délivre un monstre. Alors, le monstre en fait. On va l'appeler. Chance d'avoir un problème avec un 2. 200 d'or. Or et artefact.
prévoir. C'était à prévoir, alors. Dans le cadre d'une stratégie commerciale, la compagnie souhaite réquisitionner une partie de votre matériel avec votre assistant. Votre assistance, la campagne de communication ne devrait durer que quelques semaines, vous serez naturellement dédommagé. Celui-là. Et les vétérans. Les vétérans, ça devrait être intéressant. Alors, dégâts physiques, dégâts d'air, dégâts de glace. J'encaisse les dégâts physiques. J'encaisse tout. Lui est très bien là. Déplace aléatoirement. Donc faut pas que je le mette là. Les dégâts d'air ça va, mais les dégâts physiques elle encaisse pas. C'est peut-être lui qu'il faut. Plus simple. Du coup. Pierre. Pas mal ça. Yes, il a mis, yes. I hope to kill this man, but j'espère le buter. Je fais ça, ouais, je vais faire ça.
Bam. Bam. Et bien. Et on est bien. On se débrouille bien là. Après c'est le début, hein. Tout le monde se débrouille bien. On prend la thune. La thune, c'est important. Donc on a des gens qui se sont fait réparer, ça c'est parfait. Ah, il y a Jean-Samuel qui peut revenir. Qui est là en première partie de soirée à plus de niveau. Je me concentre sur ceux que je mets en première ligne. Ça, c'est pas mal. Concentrer sur eux. Des niveaux 4 direct. Je sais pas si on pourra aller plus haut, je sais pas si l'on modifie ça. On continue le pillage. Un artefact et de la thune. Maintenant on trouve un artefact et de la thune. On n'a pas de bol. On a du bol tout en n'ayant pas de bol. Les monstres infligent 15% de dégâts et de morale supplémentaire quand leur motivation est au maximum. Ah ouais, mais faut qu'ils soient motivés quoi. Faut qu'ils soient au maximum. J'ai un peu de thune, je peux faire l'ingénierie. Un peu d'ingénierie. Merde, celle que j'ai augmentée, je peux pas l'augmenter. On va prendre l'événement pour changer du pillage. Le responsable R&D a mis au point recherche et développement R&D. Au point une centrifugeuse qui permet de transformer le sang de héros en larmes. Souhaitez-vous en profiter? Stronger heroes are coming from faraway lands. In order to better combat this threat, we have increased the size of our dungeons. Des héros plus puissants arrivent des contrées lointaines. Nous avons agrandi nos donjons en conséquence pour y faire face. On va prendre les champions. Très difficile, mais plus de récompenses. Ça n'a pas trop changé. Donc pour l'instant, on a vu une seule modification. Dégâts de glace devant, dégâts d'air devant, dégâts de feu devant. On est dans la merde. Clairement, ils vont mourir. Clairement, ils vont mourir. Là, c'est mal barré. Ils craignent le poison, donc full nature.
Glace, air et feu, on a dit. Ça sent le pâté, hein. Là, cette histoire, ça va sentir le pâté. Les scènes moustiques dégagent la nature, ils craignent tous la nature, donc. Dégaine nature, applique faiblesse nature. Ouais. De feu, c'est pas mal. C'est parfait ça. Un Kimenin. Bam. Bon là, ça fait mal. Bam. Ils se font vomir dessus. Hein. Clairement, ils sont pas bien. Et voilà, ils ont même pas touché mes deuxièmes héros, c'est parfait. Oh! Oh! Un nouveau héros. Où la thune? J'ai envie d'essayer le nouveau. Alors, inflige des dégâts d'air, faiblesse air, inflige des dégâts de feu, faiblesse eau, et inflige des dégâts de glace, dégâts de glace. Et le seul truc qui craint, c'est la nature. Élémentaire ancestral. Il est beau, il est tout nouveau, il est tout neuf. On va le prendre, l'élémentaire ancestral. Continuer. Comment l'appelle-t-on? Moi je dirais un petit Jean Damien, ça serait très bien. Toi, il faut que tu te reposes. Hop là, on va les mettre en première ligne. Michaela, on va échanger avec Michel. Jean-Sébastien à reposer aussi. Hein. Jean-Sébastien, si je le revends, c'est pas meilleur. Et Jean-Georges, il me le faut. Lui. Il me le faut. Avec Jean-Noël. Déjà du Jean-Rémy. On a des doublons qu'il faudrait peut-être revendre. Je suis pas fan des doublons. Ingénieur ou docteur? Ingénieur, docteur, j'en ai pas besoin. Ingénieur. Voilà, on a amélioré nos deux pièges de nature, hein, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Le psychologue permet de remonter nos héros.
Échanger avec lui. Ouais, sans plus. On peut lui donner des larmes en plus pour faire un plus 2, c'est parfait. Et on peut partir sur un événement. Il est grand temps de faire un état des lieux dans l'entrepôt. Pendant le nettoyage, l'un de vos employés tombe sur cet étrange objet. Chaque héros a 30% de chance d'être affecté par faiblesse élémentaire. Au début du donjon. Oh, ça c'est trop bien. J'ai un élémentaire. On est pas mal. Bien sûr, on prend les vétérans. Attends, on regarde qui est en vacances. Il nous faudra un genre. Non, mais ils sont quasiment tous pleins. Quasiment, mais ils sont pas tous pleins. Est-ce qu'on se priverait d'un Karl? Jean-Carl. C'est pas parce que tu vois les ceux-là, même s'ils coûtent moins cher à monter, on a envie d'en revendre hein, au fur et à mesure. Et là, j'ai beaucoup trop de mobs. J'ai beaucoup trop de mobs, je pense. Alors, vétéran. Alors, capacité. Retire une fois le malus ayant le plus de cumul appliqué à tous les héros au début de son tour. Il fait de la glace. Il fait de la glace, il fait du feu. Feu et glace. Qui résiste au feu et à la glace? Lui, il est un peu rincé contre le feu. La glace, c'est pas top. Lui, feu et glace, ils sont parfaits. Il a combien de vie? J'en ai 125, c'est pas mal. On va le mettre là. La glace de partout, lui résiste bien à la glace, on va le mettre là. Ah, capacité de déplacer. Et qui on peut? Feu et glace. Lui, feu et glace, c'est pas son truc. La glace, le feu, ça va. Et lui, c'est pas son truc. On va mettre Jean-Samuel. Je regarde même plus leur résistance maintenant. Ils résistent à la nature là, c'est pas trop le bon bail de la nature, mais bon tant pis. Donc feu et glace. Lui la glace c'est vraiment pas son truc. Feu et glace, mais il n'a pas de point de vie donc. Lui craint un peu moins le feu. Et la glace, voilà. De feu et de glace. Le nuage de poison. Parfait. Alors, confusion. Alors, le feu. Glace.
C'est le feu qui fait le plus de dégâts. Ou un petit assommoir, ça peut être... ça peut être... Ça risque d'être compliqué là, cette histoire. Elle est vraiment pas fou le satyre. Deux en moins, parfait. Et enfin, on l'écharpe, et voilà. Là, ça se finit bien. Alors, la boîte de Pandore. Les thunes m'intéresse plus. En Jean Damien, il est blessé. Georges, il est blessé. Mais bon, voilà. On a le psychologue ou l'entraîneur. On a un entraîneur plus loin avec un psychologue. Moi, je dirais prendre le psychologue tout de suite. Remercier. Aller au fitness. Ah. Oh, encore un psychologue derrière. Entraînement. Jean Damien. On l'entraîne. Qu'avoir un Jean Damien au top. Tout le monde est au top et tout le monde est au top dehors là. On va sortir lui. Pas cela. Ça tire, je suis vraiment pas fan. Ouais, ça tire, je suis pas fan, hein, donc si j'arrive à trouver un endroit où les vendre, ça devrait aller. Un petit coup de vétéran. Oui. On encaisse. C'est quoi? C'est le feu derrière. Lui craint le feu. Elle craint pas du tout le feu. Hop là. Continue avec la nature.
maladie, glace, air et feu derrière. Glace et air, lui, ça reste le meilleur candidat. Il est bien et ça fait longtemps. Même s'il crée un peu la glace. Colère. Et le feu, on peut mettre lui derrière. Voilà, on est bien. Et on met le nuage de poison, hein, comme d'hab. Je crois que j'ai fini par adorer le nuage de poison, vu que j'en ai deux maintenant. I'm waiting for you. Boum! Alors, le poison, pas top. Le feu, un peu mieux. On va d'un coup. Ouh là là, elle a résisté, mais oh, c'était juste. Le feu, c'est toujours. Il va mourir. Tu vas mourir. T'es mauvais, Jack. Un de moins. Il a évité le piège parce que c'était son aptitude. Bam, on peut aller sur les deux, c'est parfait. Ah, il savait mal. Hein. Ça, ça fait pas beaucoup. En même temps, il est super résistant, lui, au feu. Néanmoins. Et bam. Alors. Gain de la graine enchantée. On va monter la ronce magique. Ce que j'utilise le plus. Nos deux gars là, ils sont blessés. On a un siège. Le siège, ça me permet de gagner de l'argent.
Le psychologue. Événement. Ah non, je suis pas là. Je suis à pillage, on va voir. Non mais tu te fous de ma gueule? Il n'y a que des trucs qui me remontent. Et potentiellement, c'est lui le plus intéressant. Tranquille. Un petit événement. En dépoussiérant le donjon, le gobelin de ménage a accidentellement réveillé une reine araignée géante qui réclame désormais réparation pour les destructions de ses toiles. Moins 115 de vie en choisissant de la chasser. Payer. Bon, on peut faire moins 75% de vie, hein, ça, 75 de vie. Pas mais grave parce que pour l'instant les vétérans ils arrivent pas jusque. À prendre ces vétérans là. Ils arrivent pas jusqu'à elle donc. J'aurais regagné de la vie d'ici là. Allez, tac. Validé. Sa capacité, à lui. On va faire 5% de chance d'appliquer étourdi en attaquant. Oh. Ah, c'est le pire, ça. En plus, 50% de chance, ça fait quasiment du 100% tout à l'heure. Une fois 50% de maximum de points de vie dans les roues. Donc, un physique, pardon, dégâts physiques derrière, et lui, c'est dégâts de nature à l'arrière. Lui, en physique, il est pas top. Nature et physique, lui, il est bien. Lui, je le mets pour le principe. Du poison, on me dit. Elle m'a dit. Alors, physique, plop, plop, devant. Et nature. Ah ben mal, pas de bol. Hein. Permet de mettre lui derrière. Et elle là. La one shot 95, putain, j'aurais dû regarder. On a pas assommé, c'est déjà ça. De dégâts, il est horrible quoi. L'armure brisée. Il recharge à 50%. On est dans la merde. Voilà, ça va être la merde. Hein.
résister. Ah, ce merdier là. Oh non, il l'a assommé en plus. Il est mort avant de me buter ma harpie, c'est déjà pas mal. Toi, tu meurs. Il m'a pas assommé, ça va. Un petit coup de grâce. On prend la bourse magique, hein. Nous, les thunes, c'est toute notre vie. De la bière de troll, c'est sympa, mais... Faut que je la remonte à chaque fois, mes camarades, c'est un peu chiant. Et c'est pas toujours le cas, donc... Voilà, hein. Ah, c'est ça, le fameux tier 3, d'accord. Je viens de voir un truc. Joli. Plutôt joli. Continuer. Pas besoin de docteur, mais pas besoin de marshal, donc on va prendre le docteur. Le médecin du travail a été contacté pour faire quelques contrôles suite à vos récentes interventions sur le terrain. Le docteur vous prodigue des soins sommaires. Le percepteur. On paye en 100. Fitness au psychologue. Moi, je tente très bien le psychologue. Parce que ça m'évite de changer mes héros. Et on peut lâcher quelques bifetons pour qu'ils remontent bien. On va repartir sur du vétéran des ruines aztèques, je pense. C'est moins chiant, je les ai trouvés moins chiants, les vétérans des ruines aztèques. Ah, c'est les mêmes. C'est les putains de mêmes. Alors, dégâts physiques devant... Ah non. Dégâts infligés aux monstres affectés par enragé. Donc si je vais par enragé, ça va. Pas être affecté par démoralisé, donc on s'en fout. Fois 50% du moral, ça on s'en tape. Et les changes de place, donc on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Puis résiste aux dégâts physiques, physique R. En vrai. Hein. Lui, l'air et tout ça, bon, les physiques c'est pas ça, mais bon, tant pis. On a de la glace. Lui craint la glace. Physique ça va. Et l'air c'est pas ça. L'air c'est pas mal. Physique c'est n'importe quoi. La glace c'est n'importe quoi. L'air ça va. Physique c'est ça va. Mais la glace c'est n'importe quoi. Oh aïe aïe. Et lui? Ah, en physique il est un peu bas. On va mettre Jean-Sébastien. Dégâts de nature. Parti là-dessus. Je reste là-dessus. Redégâts de nature. Donc là, on ne changera plus de place. Donc physique devant. Tac. R derrière, lui il craint pas l'air. Lui non plus il craint pas trop l'air. Il craint la glace par contre. Pas la glace, hop là. Voilà, voilà. Oh, oh, oh. Ah merde. Ça va pas être top là.
J'ai mieux parti que tout à l'heure. Le feu, c'est pas ça. L'air, c'est pas ça. Bon, le plus chiant, c'est celui du milieu et celui de devant. Et après, j'ai mis quoi? Mis de la glace. Je pars sur de la glace, tant pis. Et du poison, bien sûr. On casse son armure, comme ça il résistera un peu moins bien. On est quasiment mort là. Lui il est mort. Ça se passe mal. Ah si j'avais de quoi augmenter les niveaux de mon perso parce que j'ai de la thune. Là, ils ont mangé sévère. Hein. Ils ont mangé chaud, comme on dit. Et là, la mort pour lui. Bam, le petit coup de grâce du héros. Voilà, on continue d'augmenter les ronces magiques. Entraîneur. Entraîneur et formation derrière. Ouais. C'est combien l'augmentation? C'est 200 quand même. Voilà. Donc après, on n'a ni l'un ni l'autre, hein, bien sûr, parce qu'on a fait des cons. On a tout dépensé. Sanctuaire ou psychologue? Le psychologue, hein, comme d'hab. On arrive à la fin de la première année en plus. Événement. Ah, la chambre froide déborde de cadavres. Le docteur peut en profiter pour ressusciter un humain. Frais et en faire un employé en contrepartie d'un peu de sang. Ben, on va refuser parce que j'ai trop de créatures.
J'ai beaucoup trop de créatures. Ah. Dégâts physiques. Une nature dans le fond. Dégâts physiques à l'arrière. Physique et nature, donc lui, physique. Voilà, je vais pas regarder leur super pouvoir. Soigne toujours. Esquive les effets du premier piège. Oh, hop, hop, hop. Encore du oiseau. Alors, on a dit physique devant. Tac. Et nature derrière. Ça va être une mauvaise idée, mais... Enfin, un truc comme ça. I'm waiting for you. Mon passif à lui maintenant. Pas le temps. Pas le temps, il est mort. Il est mort, mon alimentaire. Ah, ça fait mal les dots, hein. Surtout quand on te les recolle derrière. J'espère qu'il va survivre pour pouvoir faire l'autre pouvoir, mais bon. Possible. Il survive. Elle a peut-être pas survécu par contre. Ah non, il m'a pas fait le même. Je suis toujours debout, ça m'assure. Et j'en tue deux, c'est parfait. Crac, crac, crac. Je prends plus de dégâts du coup. Ah. Le petit tourbillon est impeccable. Pour dire que c'est les champions, on les a battus au deuxième groupe. Ah, j'aime pas l'arbre. L'arbre, je le trouve pas ouf. Nature démoralisée, ouais.
L'arbre, je le trouve pas ouf et j'ai beaucoup trop de monde. Et lui, ferme clapet. Inflige silence. Je ne peux pas utiliser les capacités de 1% de chance que les monstres, 15% de chance que les monstres tués reviennent à la vie en guerrier squelette. Ça, c'est très bien. Même si c'est 15%, ça peut sauver la situation à des moments. Good work. We'd like to offer you a promotion. Je prends ta promotion. Et les thunes qui vont avec. Enfin, j'espère. Alors, qui celui-là. Nous avons le plaisir de vous proposer l'un de ces lots de parchemins à utiliser dans votre nouvelle salle de sort attitrée. 120 dégâts de type équivalent à la base résistance de la cible à l'arrière. 24 de dégâts nature. 48 de dégâts d'air, aléatoirement tous les héros vers une autre position. Ça peut être marrant. Ça c'est quoi? Moins 1% du maximum de morale. 120 dégâts de nature applique prime. Le monstre qui vainc ce héros récupère 2 de motivation. Ouais, ça peut être marrant. 36 dégâts de feu, 36 dégâts de glace, rebondit sur le héros situé derrière la cible. Si la résistance de glace de la cible est négative. Ok, ça peut être intéressant aussi. Et ça. 120 dégâts de glace appliqués, fatigue, dégâts infligés réduits. 48 de nature applique corps empoisonné. Applique poison à tous les héros à sa mort. Chouchou inflige 4% du maximum de vie de la cible en dégâts feu pour chaque malus appliqué à la cible. Ah, celui-là j'aime bien. Je vais prendre ça. Prendre cette promotion. On n'a pas de stagiaire. Ils ont rajouté une année et le stagiaire c'est l'année d'après. C'est bien les mini-boss là. Tac, qu'est-ce qu'on a de beau du coup? Les trucs. Ah oui, c'est lui qui est dans le mal, mais ça c'est pas grave. On va régler la situation. Le psychologue, on va le payer. Hop là. Entraîneur, tac. Ouais, on va entraîner une deuxième, parce que j'aime la psychube. Fitness ou événement? Et fitness? Augmente la régénération, confirmé. Augmente l'armure, confirmé. Anticipe. Et enfin, événement. Un archéologue vient sonner chez vous pour revendiquer un artefact en vous accusant de l'avoir pillé. Il a même le culot d'exiger que vous en fassiez don à un musée. L'écraser plus 15, le découper plus 15, à l'écarteler plus 15. Bon, on va commencer par l'écraser. Hein. Ce que ça donne. On se fait les vétérans, bien sûr, puisque les vétérans, ça nous rapporte plus de thunes, comme d'hab. Et vu qu'on est vénal. It seemed essential to find a solution to attract seasoned adventurers more efficiently than the competition. Les services marketing ont décidé d'ajouter une salle de repos dans nos donjon, il semblait essentiel de trouver une solution pour attirer plus efficacement les aventuriers chevronnés que les entreprises concurrentes. Ok.
Ah, il résiste clairement à la nature. Clairement, c'est pas mon problème. Alors, dégâts physiques. Dégâts nature devant et dégâts nature derrière. Physique et nature, on a lui qui peut encaisser. Plus nature, lui, il peut encaisser. Et on a bien sûr Jean-Dania. Capacité, tétec. Gagner rangé quand un autre héros est vaincu. Capacité, applique poison au monstre ayant le plus de vie au début de chaque combat. Soigne 50%, oui. On connaît, on connaît. Continue avec le dégâts de nature, ce qui est pas top pour celui du milieu, mais bon, tant pis. Physique et nature. Et nature. Donc il est parfait. Nature. Maximum de vie de la cible, dégâts feu pour chaque malus appliqué. Il n'y a qu'un malus appliqué, donc c'est un peu chiant. Ah ben voilà. T'as réussi à avoir les gemmes pour le... pour le saut de l'ascension. Tac. Rage. Non, rage, c'est pas top. Bon, en vrai, si orage, c'est pas si mal. Le problème, c'est que j'ai pas trop de... Après, j'ai mis quoi déjà ? Ah, remarque, si j'ai mis du vent, donc on peut peut-être mettre ça. Ah ouais, bah les gemmes c'est un peu aléatoire. Hein. Moi je l'ai fait avec mon chaman, mais je pense que je le referai pas avec les autres. J'ai pas fait le meilleur build de la Terre là. Ils sont détruits les pauvres. Les pauvres monstres se font détruire. Allez, les épaulières de la prison, tu veux dire? Elles ont réaugmenté, parce qu'à une époque, elles étaient tombées à 150, 100, 130, ça dépendait des fois. Ta-ta-ta-ta-la. Applique nature, ouais, même faiblesse nature, ça me sert pas à grand chose. Ah, ça c'est bien plus efficace. L'autre il est immunisé contre poison, c'est vrai. Ah, régène parce que c'est la salle de repos, super. On va être dans la merde là sur ce groupe là. Pareil, encore nature, faiblesse. Ça tant pis. Ah là c'est mauvais, c'est mauvais. Une petite bourrasque. Au mieux le feu. Ouh, il a pris cher lui. Je pensais pas qu'il prendrait aussi cher. Que 13 là c'est pas top. Ah, ils se font détruire, mais... Ah, ben, bon BRD, du coup. Non, non, c'est bon. Je suis sur ce jeu-là. Mais merci de proposer. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Une petite bourrasque. Ils vont crever, ils vont crever. Je suis dégoûté. Ils disent ça pour se faire martyriser. Alors. Je vais prendre cher là encore. Je vais prendre cher. Je prends super cher même. Je vais crever, je vais crever. Ok, best run. 57 semaines, je me suis fait détruire. Incroyable. Comment se faire détruire en 2 secondes? Eh ben très bien. Alors je vais arrêter la vidéo de là. Merci d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout. Je vous offre un sourire.